Plus un homme vous aime et plus il a du désir pour vous, moins il sera dégoûté par vous et plus il sera excité par des choses peut-être gênantes, peut-être qui vous semblent dégoûtantes, peut-être étranges. C'est bien la preuve qu'il vous aime et que vous l'excitez beaucoup. Plus un homme sera excité, plus il sera capable d'aller loin en fait dans son désir et dans ses envies avec vous. Aussi, plus un homme va être attiré par vous, plus il pourra avoir des délires particuliers, c'est-à-dire être excité par le fait de lécher vos aisselles, de lécher vos pieds, que vous lui crachiez dans la bouche, que... je vous ai fait une petite liste pour m'inspirer. Mais par exemple... Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de délivrer un message qui me semble très important, un message de libération plutôt pour les femmes qui me regardent, mais je demanderai aux hommes en fait qui regardent cette vidéo eh bien de confirmer ce que je dis en commentaire et bien sûr n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous êtes d'accord avec tout ce que je vais raconter. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un message de libération? Vous allez comprendre. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Peut-être même qu'on m'explique plus tôt, mais je ne sais pas qui aurait pu me l'expliquer, à part si maintenant je remontais dans le temps et que je regardais mes propres vidéos. Mais c'est bien pour ça que j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube et de créer du contenu. C'était pour eh bien, dire des choses que j'aurais aimé entendre et qui, à mon sens, manquent dans le discours actuel. Donc, de quoi est-ce que je veux parler? Eh bien, j'aimerais expliquer aux femmes ici qui me regardent que plus un homme vous aime et plus il a du désir pour vous, moins il sera dégoûté par vous et plus il sera excité par des choses peut-être gênantes, peut-être qui vous semblent dégoûtantes, peut-être étranges. C'est bien la preuve qu'il vous aime et que vous l'excitez beaucoup. Plus un homme sera excité, plus il sera capable d'aller loin en fait dans son désir et dans ses envies avec vous. Alors bien sûr, ce que je dis là, c'est pas le cas pour tous les hommes, pour 100% des hommes de la planète, bien évidemment. N'empêche que c'est le cas pour la plupart des meilleurs coups que j'ai pu rencontrer. Voilà. Et donc, plus précisément, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, très souvent, en tant que femme, on est en train de se regarder soi-même quand on fait l'amour et de se dire « Est-ce que mon expression faciale est normale? Est-ce que mes odeurs corporelles sont normales? Est-ce que j'ai pas un peu trop de cellulite à cet endroit? Est-ce que mes sous-vêtements sont bien? Est-ce que sous cet angle, j'ai l'air plus grosse que je ne le suis ?» Enfin, voilà, les femmes... sont comme ça parce qu'aussi elles sont beaucoup en représentation dans la société. Bref, on va pas parler de ça maintenant, mais c'est un fait. C'est pour ça que beaucoup de femmes aussi ont du mal à atteindre l'orgasme. C'est parce qu'en fait, elles sont beaucoup trop à l'extérieur d'elles-mêmes, en contrôle et en train de se regarder et de se juger. Alors que, mesdames, ce qui va être le plus érotisant pour un homme, le plus bandant, le plus excitant, c'est de vous voir perdre le contrôle, c'est de vous voir accepter un rapport sexuel dans une situation où en fait vous n'étiez pas du tout préparé. Avec votre consentement, j'entends bien, mais je veux dire par là, imaginons que vous n'avez pas eu le temps de vous épiler, que ça vous gêne, ou vous n'avez pas eu le temps de prendre une douche, ou que vous travaillez tôt le lendemain matin. Le fait que vous cédiez à ce moment-là, c'est déjà très excitant, et alors aussi plus un homme va être... attiré par vous, plus il pourra avoir des délires particuliers, c'est-à-dire être excité par le fait de lécher vos aisselles, de lécher vos pieds, que vous lui crachiez dans la bouche, que... je vous ai fait une petite liste pour m'inspirer, mais par exemple... oui, même avoir envie que sa partenaire soit fontaine et qu'elle jouisse vraiment sur son visage, même dans sa bouche. Certains hommes peuvent être complètement excités par le fait que leur partenaire leur urine dessus. Il y en a qui peuvent être excités par le fait de, en fait, que leur partenaire pète, parce que bien sûr que ça arrive quand on fait l'amour et qu'on perd le contrôle. C'est ce qui arrive quand on détend son périnée. Et bon, il y en a qui peuvent être excités spécifiquement par les pets, mais moi je parle pas vraiment de ça, je parle du fait d'être excité, de voir que sa partenaire, par rapport à un truc qui peut être très gênant, en fait... s'en fout tellement elle est en train de kiffer, tellement elle lâche prise, tellement elle n'a pas de même peur que vous la jugiez ou que vous vous moquiez, que vous soyez vraiment au-delà de ça.
C'est ça qui est excitant. C'est ça qui est excitant. Donc, ne croyez pas que ça va être d'être vu sous le bon angle et d'avoir les bons sous-vêtements qui vont être le plus bandant pour un homme. Pas vraiment. En fait, ce qui est bandant pour un homme, c'est plutôt l'inverse. C'est de voir que vous lui faites suffisamment confiance que pour eh bien, vous abandonner à lui, que pour lâcher prise entre ses bras, que vous l'acceptez, que vous l'accueillez totalement. C'est ça, en réalité, qui est bandant et qui est excitant, qui est érotisant et qui est même valorisant parce que voilà, il va se dire waouh, en fait, j'arrive tellement à comprendre ce qu'elle aime que j'arrive à lui faire oublier tout le reste, quoi. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis pas ça juste parce que c'est excitant pour les hommes, je vous dis ça également parce que ben, en tant que femme, ou même en tant que couple, c'est quand on arrive à ce niveau de lâcher prise, eh bien, qu'on commence à se rencontrer sexuellement, qu'il y a des choses qui se passent et qu'on commence à se découvrir même soi-même aussi sexuellement. Parce que typiquement, sans se lâcher prise, vous n'allez pas réussir à être Fontaine. Sans se lâcher prise, vous n'allez pas oser vous mettre dans une position qui va faire que vous allez jouir d'une manière différente parce que cette pénétration permet de stimuler votre point G ou quoi. Enfin, voilà, c'est en faisant des choses différentes, en prenant certains risques, en acceptant de passer outre, d'être vu d'une autre manière, de faire des bruits bizarres, que vous pouvez accéder à des formes de plaisir. Qui sont différentes et c'est là où ça devient vraiment intéressant et on sort un peu de la performance parce que beaucoup et c'est normal aussi en début de relation on est fort encore dans une posture, on veut être séduisante, on veut être mais au final d'une manière qui est très conventionnelle et peut-être même très stérile et c'est pas là où il se passe les choses les plus intéressantes. Et bien sûr parfois c'est pas forcément des choses plaisantes, des fois ça peut débloquer des émotions, on peut se mettre à pleurer. C'est pas forcément que dans l'euphorie et la positivité. Ça peut être aussi plus deep et plus douloureux dans tous les sens du terme. Mais c'est là où ça devient intéressant parce que le sexe n'est pas qu'une activité récréative, c'est aussi une activité introspective. Ça peut être spirituel, ça nous ancre, ça nous connecte ou à l'inverse, ça nous voilà, ça peut nous justement nous faire partir ailleurs. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord en tant qu'homme que c'est là où il se passe des choses intéressantes, en tant que femme aussi si vous l'avez expérimenté. Je serais curieuse d'avoir vos avis, vos réflexions. Et puis si vous trouvez que ce que j'ai décrit est dégoûtant, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je serais curieuse de savoir où vous vous situez dans le spectre au niveau, je ne vais pas dire la perversité, mais des petits. De ces trucs-là, je ne sais pas vraiment comment le formuler. Donc, en conclusion, comprenez bien que, à l'inverse, ce qui sera vraiment le plus désérotisant pour un homme, c'est d'avoir le sentiment qu'il vous force, que vous êtes en train de vous emmerder, que vous n'avez pas envie d'être là. En fait, ça, c'est le pire. Ce sera absolument ça le pire que vous puissiez faire. Voilà, donc, c'était mon petit message aujourd'hui. Et puis, en tant que femme, c'est pas juste de réussir à faire le truc le plus bandant pour un homme. C'est moi, je vous explique aussi comment accéder à d'autres formes de plaisir et comment vous découvrir sexuellement parce que je sais ce que c'est que d'être, vouloir constamment être dans le contrôle et croire que c'est ça le chemin. Ben, en fait, pas du tout. Vous avez tout à gagner à réussir à lâcher prise. Alors, ça veut dire tout et n'importe quoi, lâcher prise. Mais voilà, je pense que là, je vous ai donné un exemple concret qui est, ben, quittez votre posture, acceptez les choses qui peuvent vous sembler un peu gênantes, parce qu'en fait, une fois que vous aurez surmonté cette peur-là, vous allez voir que vous accédez à autre chose et qu'on ne vous juge pas, qu'on ne se moque pas, et que si un mec se moque de vous, ben, c'est que c'est un con et c'est une preuve d'immaturité. Et après, au pire, on rigole, c'est pas grave, il faut être capable d'avoir aussi un petit peu d'autodérision. L'épée, ça fait rire tout le monde. Bon, voilà, mais après, on va pas rester bloqué là-dessus. On est quand même capable de passer à autre chose. Voilà, on est quand même capable de passer à autre chose. Donc, j'espère que ça en aura décrispé quelques-uns ici parmi vous. Et j'ai hâte de lire vos commentaires sous cette vidéo. Je me demande quel titre je vais mettre. Et voilà, puis sachez que si vous voulez vous faire coacher ou accompagner par moi, c'est possible. Toutes les infos sont en description. Parce que je vous rappelle encore une fois que je suis love coach et sex coach et que j'accompagne les hommes, les femmes, les couples, les célibataires dans
leur épanouissement affectif et sexuel. Donc, si ce que je vous dis, ça vous parle et que vous aimeriez aller plus loin dans votre vie à vous, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, maintenant, je vous dis au revoir à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.